Allez les enfants, sortez sans crier, s'il vous plaît. Hey, comment ça me puisse faire, c'est SNS. On se retrouve pour une vidéo de ne pas rire. Et aujourd'hui sera une spéciale Incognita. Je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires. Je peux vous dire, elle est super drôle. C'est sûr que vous allez rigoler. D'ailleurs, dites-moi maintenant en commentaire quelle personne vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Alors, pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit d'aller à la vidéo avec de l'embouche et de ne pas rire. Comme ça, pour me dire en commentaire, comme ça, de rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Allez les enfants, sortez sans crier, s'il vous plaît. Commencer, je rigole. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, ouais, dès que j'en ai mis partout. Oh, j'ai mis de l'eau partout. Allez les enfants, sortez sans crier, s'il vous plaît. Gong danse. Il vient nir. Danse bien. Il vient nir. C'est une catastrophe. Je vous lis juste quelques réponses. Lola regarde dans son microscope, mais elle ne voit rien. Citez une raison possible. Elle est aveugle. C'est qui le cassos qui a mis ça? En quelle année Napoléon a découvert l'Amérique? Je sais pas, j'étais pas née. Ce mec, il est malveillant. Il y a des pancakes. Combien font 789 x 17? Beaucoup. Il y a fait caca dans la mer. Ah non, c'est trop. C'est Polo. Wesh, c'est bon, arrête de rigoler. Bob a 47 bonbons. Il en mange 40. Qu'est-ce qu'il lui reste? Ça sent pas bon cette histoire. Le diabète. Non, par contre, il y a des limites. Il y a des limites. En troisième, 8 ans que je travaille dans cette profession. Je n'ai jamais vu ça. Ah d'accord, d'accord. Moi, je l'ai déjà mon brevet. C'est vous qui êtes passé cette année. Moi, j'ai mon brevet, j'ai mon bac, j'ai tout. C'est pour vous que je fais ça. À presque 15 ans. C'est inadmissible. Me regarde pas comme ça, Ryan. Vu ta note, même mes sixièmes, ils auront réussi ce contrôle. La moyenne est de 6 sur 20. Voilà. Et elle est belle ta maison, hein? Ah mais c'est pas chez moi. Ma maison elle est là-bas. Wow. C'est ça sa maison là? En fait c'est une maison deluxe. C'est une résidence unique, confortable et équipée. Il y a des paquets. Wow. Et c'est trop beau chez toi. Et je suis choquée. Et au fait, t'aurais pas un mouchoir par hasard? Parce que j'ai envie de me moucher là, s'il te plaît. Oui bien sûr. Tiens. Ah. T'es sûr? Mais tiens, t'inquiète. C'est pas un mouchoir ça? Bah si. Merci. Gros billet comme ça, vous croyez que je vais le jeter à la poubelle ou quoi? C'est du gâchis. Bon allez, tu viens? Ouais. Chut. Il y a mère qui m'appelle. Mère! Bonjour mère, vous allez bien? C'était pour vous demander 9000 euros s'il vous plaît, car samedi je vais à Nice avec mes amis. Nice? Est-ce que vous auriez 9000 euros s'il vous plaît, mère? Ya, 9000 euros pour ça. Mais on peut faire plein de choses avec 9000 euros là. D'accord, très bien, ça marche. Tu veux venir? Eh mais moi je suis pauvre moi. Oh t'inquiète pas, ça coûte pas cher. Hein, c'est juste 3000 euros une place. Mais t'inquiète pas, je te paye. Oui, j'aimerais aussi prendre 3000 euros de plus du coup pour mon ami. Allez, on va faire une petite symphonie vite fait. Vous croyez où? Vous croyez c'est le monde à l'envers? Blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla. Je sais tout. Je le sais tout. Même quand je suis occupée sur mon ordinateur à travailler pendant une heure, deux heures, on m'appelle. Oui, Morgane, il y a un truc qui va pas sur les réseaux. Ça parle sur toi. Polémique. Diffamation. Harcèlement. Vous croyez où comme ça là? Je sais tout. Vous croyez que c'est la fête au village comme ça?
Je sais tout. Je sais quand vous parlez sur moi. Pour rentabilité. Voilà, c'est bon. Alors moi, madame, j'ai décidé de faire un exposé sur tonton H, autrement dit dans le langage courant, tonton Hit Hit. Traverser toute la maison, esquiver des filles en chemin pour atteindre à trop la salle de bain. Chez les lames, enchanté du linge, entale des couches qui sont pas très bons. Car ces bonhommes, là, t'es la raison. Bienvenue chez les lames, tout ce qui vous fait de près. Nous, c'est comme ça qu'on s'aime. Bienvenue chez les lames. Un gars, JT, mais j'adore ma grande famille. Bienvenue chez les lames. Papa. Madame, mais moi c'est ce qu'on m'a dit. Madame, c'est Arthur, il m'a dit que... Parce qu'en fait, j'ai pas entendu quand vous avez donné les consignes de l'exposé. Et du coup, Arthur, il m'a dit qu'on devait choisir une chanson qu'on aime. Madame, c'est Arthur. Madame, c'est Arthur. Arthur, t'as vu ce que tu fais? T'as vu, Arthur, ce que tu fais? T'as vu, Arthur, ce que tu fais? Regarde, à cause de toi, je vais avoir zéro. Regarde, Arthur, regarde. Regarde, de base... De base, on s'entendait bien. Regarde, t'as vu, c'est ça ton problème. Moi, je te demande. Vos grand-mères, les ventilateurs. Mais les malades, ce mec. Madame, pourquoi vous êtes énervée? Ah, d'accord. Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans un carton. Madame. Arrête la drogue. Je suis Spider-Man. Y'a un mec caca dans la baignoire. Oh là là, mais chut, la prof, elle attend le silence. 8 ans que je travaille dans cette profession. Je n'ai jamais vu une telle chose. C'est Polo. Vous êtes la seule classe à avoir raté le contrôle. Vous dites toujours ça, madame. J'ai jamais vu ça. Non, mais en même temps, madame, vous mettez des contrôles trop durs, genre... La moyenne est de 7. Arrête la drogue. 7. Wesh, l'intello, il a 7, c'est-à-dire on a combien? Ma mère, elle va me tuer. Je vais pas aller au poney. La meilleure note est de 9. La plupart de la classe sont en dessous de 4. Moi, ma mère, elle va me dire que j'aurais plus le droit de regarder Adémé Bilal. Non, mais si j'ai une note en dessous de 4, je fais un AVC, oui. Je dis ça, mais sûr, t'as la meilleure note. Je vais distribuer les copies. Je donne de la meilleure note jusqu'à la pire note. Est-ce que tu vas venir dans ma cave? C'est une bonne proposition, non? En plus, il y a des bonbons. Et si tu refuses cela, je t'étoufferai dans ton sommeil et tu seras... L'URSS, tonton Hit Hit instaure le nazisme en Allemagne, un état totalitaire, raciste et antisémite. Un gouvernement de gauche, le Front Populaire, dirigé par Léo Blum, instaure des lois sociales en France. Tu fais quoi là? Comment ça tu ranges ton offre sans mon autorisation là? Attends, attends, carrément, je vais appeler l'OPJ là. Je mes affaires, ça va sonner madame, ça... Attends, deux spies, j'appelle l'OPJ. Ouais, allô, l'OPJ? Oui, je vous écoute. Ouais, y a un spécimen chelou là dans ma classe, c'est ce qu'il a fait? Ouais. C'est ce qu'il a fait, ce petit schlag là? Il a fait quoi? Il a rangé ses affaires avant que je lui dise! Mais non, je te crois pas. Ah, mon gars! Ah non, c'est un fou lui, attends, là t'es en train de me dire là, tout de suite là, qu'il a rangé ses affaires alors que tu l'as même pas autorisé. Mais oui, frère! Non, mais lui, on va le gommer lui! Mais lui, on va le gommer, mais il est malade ou quoi? Il fait des trucs comme ça là, il en fera la loi là! Ouais, vas-y, c'est carrément, mon frère, on s'attrape, pip, pip! Voilà, je vous ai prévenu pourtant, je vous avais dit quoi? Vous rangez pas vos affaires sans mon autorisation. Oh! Oh! Mi-temps, mes sphères, j'ai rigolé une fois. Un rire, ça va. Eh, je m'en remets toujours pas du moment où j'ai rigolé. Sortez sans Christ, c'était trop drôle. Et surtout quand je chante le générique de Bienvenue chez les Loud. C'était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel point ça vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Arrête de pleurer. Mais tu m'as frappé. Je t'ai fait mal quand je t'ai frappé? Oui. T'as mal où? Mon bras. Arrête de pleurer, viens manger. Prêt. Non, viens manger. Non. J'ai pas faim. Viens. Je fais du Hitchley que t'es, viens. Après, parce que là, tout de suite, j'ai pas faim. T'as pas faim, bah... Calme-toi. Et quand tu t'es calmé, tu viens manger. D'accord. Ok. Je laisse la porte ouverte. C'est bon, tu t'es calmé? Oui. Viens. Où? Viens regarder la télé, je t'ai mis Adémé Bilal. Ok. Viens. T'as mis 24 heures en noir et blanc. Viens faire un câlin. Je savais que j'allais finir ma vie ici.
Pourquoi je suis pas radiologue? Allez les enfants, 5 euros le tour, 5 euros le tour. Bonjour, je pourrais savoir si c'est un manège violent s'il vous plaît, car mon fils a peur de la sensation. Oh madame, ne vous inquiétez pas, c'est un manège pour enfants. Petit monte. D'accord, d'accord, bah tu peux y aller. Les enfants, attachez-vous bien. Maman, j'ai peur. Non, t'inquiète pas mon fils, ça va doucement, je démarre. Monsieur, j'ai peur. Je m'en fous. Là, c'est trop nul, là. Faut que j'accélère. Attention, accélération. Monsieur, mais mon fils. Mais moi, je m'en fous de ton fils. Il a qu'à pas avoir peur. Il casse la tête, elle, son vieux fils, là. On dirait Maître Yoda, laisse-moi m'amuser, non? Quelle satisfaction de voir les gens avoir peur. Ah, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Par pitié, arrêtez ce manège. Bon, d'accord, j'arrête. Bon sang, regardez, vous avez fait pleurer mon fils. Pleurer, c'est bien, ça fait pousser les cils. Je me réveille en mode Shang-Chi. Mais je m'en fous, moi, dégage. Casse-toi, là. Je juge vos générations. Dans les 2008, vous êtes devenus trop discrets. Genre, par exemple, vous êtes rentré au lycée, vous êtes devenu mature, vous pensez à votre avenir, vous vivez comme des personnes de 30 ans. Je parle de la majorité. Pas tous, il y a des exceptions. Les 2011, vous êtes très insolent avec vos petits corps. Vous êtes très insolent. Vous parlez super mal. Pas tous, mais beaucoup. Les 2012, vous voulez grandir trop vite. Vous grandissez trop vite, en fait, parce que vu que maintenant, tous les 2012, presque, ils ont tous TikTok, tout ça, bah ils voient tout ce que les grands font et ils veulent devenir pareil, ils s'habillent pareil. Il y a des petites 2012, elles se maquillent. Du coup, les 2012, vivez en fonction de votre âge. Vous inquiétez pas, vous allez être grand toute votre vie. Profitez de votre enfance, profitez bien. Alors les 2007, ils vont bientôt avoir 18 ans. C'est leur dernière année dernière année mineure. Ça veut dire qu'en fait, ils font trop de bêtises. Ils font trop de bêtises. Ils sont très agités en ce moment, les 2007. Encore une fois, pas tous, mais beaucoup. Les 2010 et les 2009. Génération miracle. Miracle. C'est l'avenir. J'arrête. Les 2005 et les 2004, vous êtes en voie de disparition. On vous voit jamais. Les 2006, c'est devenu des adultes. Parce que là, ils sont en terminale, la majorité. Rien à dire, on ne les entend jamais. Les 2014, bah, vous avez même pas de chiffres dans votre âge. Ça veut dire, même si je parle de vous, ça sert à rien. Parce que vous avez rien à faire sur l'application. Voilà. Bref, peut-être que je vais faire une partie 2. Bah non, parce que j'ai fait presque toutes les générations de cette génération-là. Pauvre, cette fille qui se transforme en mec de cité quand elle s'énerve. Anissa, tu sais, t'es gênante. MDR. Non mais t'es gênante, hein, genre en mode, je sais pas, tous les jours dans la vie quotidienne, t'es gênante. À chaque fois que tu parles, j'ai envie de te gifler. Non mais c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. En plus, t'es moche, tu pues, t'es chiant. Wesh, c'est pas wesh. Wesh, c'est quoi ça, wesh? Je suis encore mon gars. Wesh, c'est devenu un gars. What the fuck? Stop, c'est stop. Pardon, je baisse les yeux, chef. Tu crois que c'est un petit nom? Tu crois que c'est un petit nom? Je vais à la cuisine. Voilà. Pouillé. Il en a. J'ai même pas les mots, comment? J'ai même pas les mots. Comment je vais sortir ma calèche là? Ouais! Mais c'est bien, viens! C'est pas la fête là! Mais je vais mourir! Eh, hey, je suis une chérie là! Ouais! Hey non! Ouais! Je suis Spider-Man! Imbécile! Arrête la drogue! Eh, fais pas mal avec moi! Je suis pas ta copine là! Entendu votre altesse de la majestueuse majesté. Ouais! Majesté. Ouais! Eh, fais un pacte avec le shaitan! Oh madame, faut appeler un imam là! C'est plus une dinguerie, c'est une dingologie! Il est fou ou quoi lui? Bruh! On n'est pas camarades, hein! Va manger du caca! Voilà, je t'ai craché dessus à cause de toi! Quoi? Mais comment ça à cause de moi? Ça y est! D'accord. Une fois, deux fois, trois fois, c'est bon! Dernière fois de ma vie, je t'embête. Je vais t'en mettre une, ça va te faire un taper. Non, mais moi, je vais descendre, hein, parce que. Eh! Y a des invités! Et on me prévient même pas! Et vas-y, je descends pas, c'est mort! Je vais rester bloqué dans les discussions de daron, là. Non, en vrai, est-ce que je descends? Ouais, je dis bonjour, après je pars. Oh, je sais pas. Non, mais comment c'est gênant, ils vont commencer à me poser des questions, là. Oh. Aidez-moi, SOS. En plus, je sais même pas c'est qui. Ils viennent, ils s'incrustent dans ma maison comme ça, là. Ils ont cru que c'était chez leur mère ou quoi? Ah oui, on les a invités, c'est vrai. Et je t'ibidiche. Bon, en vrai, je vais descendre après, c'est mieux. Et vas-y, j'ai trop envie de prendre un truc dans le frigo. Mais j'ai pas envie de descendre, là, comment j'ai de la flemme. Pas de ménage, pas de cuisine, rien. Elle me laisse tout faire. Ma fille sert à rien. What the wesh fuck? Maman, je vois quoi là? Elle me termine devant les invités comme ça là. Oh! Vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Oh là là, je suis choquée. Quand même, m'a trahi. En plus, c'est même pas vrai. Bon, vas-y, je vais descendre. 5 minutes, pas plus. Bon, allez, j'attends encore quelques secondes, après je descends. 10, 9, 8, 7. Bon, allez, je descends.
Salam alaikum. Ça va? Ça va? T'as beaucoup grandi, hein. Je sais, je m'en souviens encore quand t'étais toute petite, je t'ai changé tes couches. Wallahi billahi, je la connais ni d'Adam ni d'Eve. Bon, aujourd'hui je me couche tôt parce que demain je dois me réveiller à 6h. Elle a le regard Chiquita, chevelu comme Nikita. Mais est-ce que le monde à l'époque il était en noir et blanc? Bah oui, parce que les anciens films ils sont bien en noir et blanc, non? Mais non, je pense pas. C'est obligé qu'il y avait de la couleur quand même. Et vas-y, je vais arrêter sinon je vais pas dormir. 4 sorties de peau. Je suis dans le bolet d'allemand. 4 sorties d'eau. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas vu mon Kawai Under Armour. Mais je l'ai mis où? Et demain je vais chercher, il est où? À tout moment, c'est un genou, il l'a pris, il l'a volé, il le porte actuellement. C'est des fous, eux, ils prennent trop la confiance. Un jour, on va se bagarrer, ils vont voir flou. C'est quoi ce bordel? C'est un moment, je veux dormir, et il y a la musique. Eh, mais en fait, les animaux dehors, ils sont tout nus. Bah oui, ils ont ni manteau, ni gilet, ni rien. Mais à tout moment, ils sont hyper gênés, mais ils ne nous disent pas. Parce qu'ils peuvent pas parler, ils peuvent pas nous dire. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé une fois. Et surtout sur la fin, comment c'était chaud. J'ai failli exploser de rire. En tout cas, j'ai rigolé une fois. Alors dites-moi en commentaire quelle personne vous souhaite voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle année. Ciao mes sphères.